L'année 2023 aura été très bonne pour les jeux indépendants et plusieurs se sont démarqués grâce à leur originalité, leur souci du détail et surtout du gameplay innovant. Tous les jeux dans cette liste sont numéro 1 dans mon cœur, mais comme il fallait faire une liste, bien ne prenez pas en compte les numéros car tous les jeux ici méritent d'être joués. Sans plus tarder, messieurs, dames, voici mon top 10 des meilleurs jeux indés de 2023. Le numéro 10 est un jeu appelé Killer Frequency. C'est un jeu où l'on joue un mec appelé Forest et qui se retrouve à travailler comme animateur de radio dans une petite ville. Ne connaissant absolument rien de cette ville, il se retrouve pris un soir à devoir sauver la vie des gens d'un tueur mystérieux qui cherche vengeance. Ce jeu est vraiment digne de films d'horreur comme Vendredi 13 ou Halloween et se déroule dans les années 80. Ce qui est très particulier du jeu, c'est que Killer Frequency vous permet à la fois de répondre à des citoyens lors d'appels téléphoniques durant la game et de devoir faire des choix et conséquences qui auront énormément d'impact sur la fin du jeu. Vous devrez donc comprendre l'histoire du tueur mystérieux tout en découvrant la vérité sur ce qui se passe dans cette ville étrange. Killer Frequency se focus presque entièrement sur de la narration et je le recommande vraiment à tout le monde qui aime ce type de jeu. Le numéro 9 est une de mes surprises pour l'année 2023 et c'est Robocop Rogue City. Ce jeu qui mêle un genre entre shoot'em up et FPS fut vraiment excellent. On joue bien sûr Robocop dans la ville de Détroit dans les années 80 qui tente d'arrêter un méchant mystérieux qui cherche à diriger la ville et faire, bien sûr, des trucs de méchants. L'histoire se passe entre le deuxième film et le troisième de la franchise Robocop, mais ce jeu est vraiment cool en termes de gunfight, gameplay et même les missions secondaires sont très cool. L'environnement est destructible pour la majorité du jeu et je suis très content qu'enfin cette franchise a maintenant un jeu digne de son univers. C'est vraiment un jeu à essayer durant le temps des fêtes si jamais vous avez le temps. Le numéro 8 est mon FPS de l'année et c'est Trepang 2. J'attendais avec impatience ce jeu qui a un environnement destructible des plus fous que j'ai vu dans un jeu vidéo. Le jeu est simple. On y incarne un soldat fugitif qui s'échappe d'un genre de goulag quelque part en Europe de l'Est et tout part en couille à partir de là. On se fait aider par un groupe mystérieux et chez qui on reçoit des missions afin de détruire une méga corporation qui nous aurait fait du mal par le passé. Mais comme nous avons perdu la mémoire, on ne sait pas qui dit vrai entre les deux camps. Trepang 2 est ultra intense, chaque gunfight est meilleur que les autres et quand vous aurez un moment de répit, vous allez reprendre votre respiration tellement que ça ne s'arrête plus. Vous aurez des boss fights, des ennemis ultra variés, des super pouvoirs. Vraiment pensez au film Hardcore Henry pour ceux qui l'ont vu et vous allez bien comprendre ce qu'est Trepang 2. C'est un jeu qui mérite énormément d'être joué et d'avoir dans sa bibliothèque Steam. Rares sont ceux qui reçoivent une suite dans le monde des jeux indépendants, mais la franchise de Blasphemous méritait amplement une suite. Mon numéro 7 est la suite du 1 qui fut un énorme succès en 2019 avec son côté hack and slash et son côté plateforme. Bien que les devs dans le 2 reprennent la même recette, mais cette fois-ci avec plus de possibilités de personnalisation et d'amélioration de vos compétences, vous retrouverez toujours des combats de boss très difficiles et oui, vous allez mourir souvent. Vous allez pouvoir parcourir son monde de façon non linéaire, donc vous allez pouvoir aller où vous le voulez, quand vous le voulez. Le jeu est assez récent et est sorti au mois d'août 2023, malgré qu'il n'aura pas eu le même succès jusqu'à présent que le premier, tous les fans de jeux hack and slash prendront leur pied avec ce jeu qui se mérite une très belle place dans mon top 10 pour l'année 2023. Le numéro 6, c'est un peu le successeur de Jet Set Radio pour ceux qui connaissent et le jeu est Bomb Rush Cyberpunk. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Jet Set Radio, bien vous êtes probablement trop jeune pour vous souvenir de ce magnifique jeu sorti à l'époque sur la Dreamcast. Mais par contre, maintenant vous avez la chance de jouer à une grande version améliorée avec Bomb Rush Cyberpunk. À l'aide de votre canette de peinture et de vos rollerblades, vous allez parcourir la ville appelée New Amsterdam et votre but sera de faire des graffitis de façon stylée en utilisant soit des skateboards, BMX ou du rollerblade. C'est vraiment un jeu ultra relax mais qui se démarque par son esthétique très colorée. Si vous aimez la série Tony Hawk, la franchise Skate ou que vous connaissez Jet Set Radio, bien vous allez adorer Bomb Rush Cyberpunk. Le seul intrus dans les jeux indépendants de l'année est définitivement le numéro 5, soit Hi-Fi Rush. Je dis intrus car le jeu a été développé par des devs qui travaillent normalement avec Bethesda et qui contient 65 employés à son actif. Donc je ne sais pas si on peut réellement le qualifier de jeu indépendant avec une petite équipe, mais le jeu mérite d'être sur cette liste malgré tout. Hi-Fi Rush est un jeu d'action plateforme vraiment unique avec ses graphismes et son esthétique super beau. Mais ce n'est pas seulement ça qui est excellent, le gameplay l'est tout autant. Le gameplay se veut de suivre une
rythmique à chaque coup que vous faites. C'est-à-dire que plus vous suivez la musique et plus vos combos seront efficaces et je trouve ça incroyable comme idée. Ils ont également récemment sorti une mise à jour complètement gratuite en y ajoutant deux nouveaux modes de jeu et de nouvelles récompenses pour tout le monde. Si vous n'y avez jamais joué, vous devez vraiment l'essayer et vous serez ébloui par la musique et son spectacle rempli d'actions intenses où plus vous suivez le rythme et le tout deviendra ultra intense. Vous avez toujours eu le pied marin, bien le numéro 4 sera pour vous. Dredge est un jeu avec une aventure solo de pêche, mais tout cela ne s'arrête pas juste à ça. Vous devrez acquérir peu à peu de meilleurs équipements et explorer de nouvelles zones afin de découvrir leurs secrets bien gardés. Vous remplirez certaines missions qui feront avancer l'histoire, mais aussi des missions secondaires, mais votre plus grande mission sera de percer le mystère dans les profondeurs de cette mer. C'est vraiment un super bon jeu unique que j'ai complètement adoré. Par contre, attendez-vous à une histoire ultra relaxe, mais que vous vous souviendrez très longtemps. Le numéro 3 est nul autre que Sons of the Forest. C'est la suite de The Forest, bien que son histoire ne suit pas le premier, mais cette fois-ci dans le jeu, les graphismes sont revus et améliorés et vous devrez toujours affronter les fameux cannibales et autres monstres très bizarres. Le jeu se focus toujours sur de la survie, mais cette fois-ci, nous aurons des compagnons avec qui on pourra donner des ordres et essayer de survivre, soit Virginia et le meilleur de tous, Kelvin. Le jeu est toujours en accès anticipé, mais les devs, comme d'habitude depuis la sortie du jeu, ont mis beaucoup d'efforts à rendre le jeu stable grâce à de nombreuses mises à jour. L'objectif principal dans Sons of the Forest est de retrouver un milliardaire qui est porté disparu, donc grâce à un mode en ligne, vous pourrez ramener des potes à vous et parcourir les grottes très sombres et souvent de drôles de choses s'y cachent, donc faites attention. Vraiment, j'adore ce jeu, mais je vous recommande vraiment de jouer avec des amis car malgré que nous avons notre pote Kelvin, parfois il est un peu con et vous aurez besoin de toute l'aide nécessaire afin de survivre. Le numéro 2, dites-vous, fut meilleur que bien de nombreux jeux FPS AAA cette année et c'est BattleBit Remastered. Il est même, à mon avis, meilleur que plein de jeux multijoueurs des grosses compagnies qui pensent que mettre des millions dans le développement amènera du succès à un jeu. Bien, BattleBit Remastered est la preuve que parfois il ne suffit pas que les graphismes soient excellents, mais que le gameplay soit juste fun. Le jeu, qui se veut très simple avec des graphismes sous forme de low polygon, offre plusieurs modes de jeu très variés, mais le plus cool, c'est que vous pourrez jouer dans des serveurs où il y a plus de 254 joueurs en même temps, et tout ça dans un environnement entièrement destructible. Le jeu est entièrement focusé sur du multijoueur, bien que vous aurez aussi un mode sandbox, dans lequel vous pourrez créer vos propres missions et objectifs. Vous aurez des véhicules que vous pourrez conduire en passant par des chars d'assaut à des hélicoptères, vous aurez plus de 45 armes que vous pourrez personnaliser, et plus de 19 cartes de jeu disponibles. Et dites-vous que ce n'est que le début, car le jeu est toujours en ce moment, même en accès anticipé, tout ça au prix ridicule de 21$ canadiens, soit 14€. Donc si les graphismes du jeu ne vous dérangent pas, allez l'acheter et oubliez les autres jeux multijoueurs de 2023. BattleBit Remastered est celui que vous devez jouer cette année et même en 2024. Le numéro 1 est mon coup de cœur de 2023 et c'est nul autre que Dave the Diver. Par où commencer avec ce jeu? Bien, Dave the Diver est un bijou en termes de gameplay, graphisme, histoire et gestion. Ce petit jeu qui n'a l'air de rien à première vue sera vous charmer par sa pêche qui est ultra simple mais parfois un peu stressant si vous n'avez pas le bon équipement. L'histoire est très intéressante avec un monde caché qui regorge de plusieurs secrets. Les améliorations de compétences et d'équipements sont toujours uniques plus vous avancerez dans le jeu et en plus, vous serez en mesure avec les poissons que vous pêcherez de vendre le tout dans votre propre restaurant grâce à votre pote qui est l'un des plus grands chefs au monde, soit Bancho. Il y a tellement de choses à faire dans ce petit jeu que vous en aurez pour longtemps au niveau de sa durée de vie. Le jeu fut extrêmement bien reçu auprès de tous les joueurs partout dans le monde et attendez-vous à voir Dave the Diver rafler énormément de prix pour 2023. Pour moi, c'est un incontournable que tout le monde devrait l'essayer, surtout avec son prix très bas. Et si vous cherchez un jeu très chill à jouer en fin de soirée, Dave the Diver est définitivement pour vous. Avant de terminer ce top 10, je devais absolument inclure en bonus Lethal Company. Ce jeu a pris tout le monde par surprise depuis sa sortie récente, soit le 23 octobre 2023. Le jeu aura conquis énormément de joueurs avec son gameplay très fun dans un mode horreur où vous devrez survivre avec vos potes. Je n'ai malheureusement pas encore essayé Lethal Company, mais je devais le mettre pour tous les fans de jeux de survie où la communication sera la clé de votre réussite. Le but du jeu sera de vous promener de lune en lune ou de planète en planète à la recherche de ferrailles ou toute autre chose qui pourrait être ramassée dans des bâtiments abandonnés. Cependant, les planètes que vous visiterez, eux, ne seront pas toujours
studio abandonné et vous devrez faire face à plusieurs monstres. Vous aurez 3 quotas par jour et si vous ne les faites pas, bien ce sera la fin du jeu. Par contre, si vous réussissez vos quotas, elles augmenteront et le défi sera plus difficile pour toute l'équipe. Le jeu est fortement recommandé d'être joué avec un minimum de 2 joueurs et vous aurez la possibilité de personnaliser votre vaisseau et vous aurez accès à quelques maps également. Prenez compte que le jeu est présentement en accès anticipé et qu'on peut s'attendre dans la prochaine année que les devs travailleront sans relâche afin de donner le plus de contenu possible pour tout le monde et ce, probablement gratuitement. Donc voilà messieurs dames ce qui met fin à mon premier top 10 des jeux indés pour l'année 2023. Vraiment, cette année, nous aurons été vraiment choyés pour les jeux indépendants et je crois que nous avons officiellement atteint l'âge d'or des petits développeurs. J'ai l'impression également qu'en 2023, les jeux indépendants ont été largement meilleurs en termes de qualité et de bugs que les grands jeux AAA. Ça me prouve encore une fois qu'être un gros développeur avec un budget qui se trouve dans les millions n'est pas toujours la meilleure chose. Je vous remercie à tous pour votre support sur ma chaîne et je prépare les prochains top 10 pour la fin de l'année 2023. D'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!